Toute l'actualité du club sportif moulien est à vivre avant, pendant et après sur TélécSM. Après le match nul concédé à Petit Canal, un but partout face à l'Amicale, le CSM se tourne désormais vers la demi-finale départementale de la Coupe de France. L'entraîneur moulien, Richard Albert. Richard, alors un match compliqué, première mi-temps, une équipe qui joue bien au ballon, difficile à manœuvrer, qui marque très vite. Deuxième mi-temps, vous trouvez la solution, ça va mieux. Et il y a des décisions d'arbitrage, alors je sais que vous n'aimez pas trop dire ça, qui sont un peu incompréhensibles. Oui, c'est vrai, difficile. C'est difficile de parler de l'arbitre, de ne pas parler de l'arbitre, mais bon, ça ne sert plus à rien. On a eu moins une dizaine de fautes. Contre nos attaquants, deux au but, jamais rien du tout. Malheureusement pour l'Ambout, c'est lui qui prend un carton jaune parce qu'il a parlé trop. Mais les autres qui méritaient les cartons n'ont pas eu. Après, ils ont un carton rouge à la dernière minute. Bon, est-ce que ça sert ? Ça sert pas. Mais en tout cas, ça, c'est pas la peine. Vous me posez la question, je réponds. Mais sur l'ensemble du match, c'est vrai que première mi-temps, on a eu pas mal de difficultés à se repositionner, à se mettre en bloc pour défendre. Deuxième mi-temps, on a changé de stratégie. On a décidé d'aller chercher de mieux occuper le terrain. Et c'est vrai qu'à 80% du temps, on a été dans leur moitié de terrain, se créant même des occasions, pas mal. Et malheureusement, on n'a pas su en concrétiser une. Et puis le gardien d'en face aussi a su sortir deux ou trois arrêts intéressants. Mais bon, c'est un match nul, on perd deux points parce qu'on est à domicile. Mais la satisfaction de mon match, hein, de belles équipes qui ont joué, on jouait avec leur cœur, on jouait avec du tempérament et ça a donné quelque chose de très sympathique. Oui, parce que la semaine prochaine, place à la Coupe, la demi-finale zone régionale. Là aussi, un CSC qui à domicile est très dur à manœuvrer. Oui, oui, là c'est encore c'est autre chose. Là c'est élimination directe, c'est pas le même type de match. C'est ça. Les deux équipes vont vouloir se qualifier, donc ça va être un match ouvert. Le match n'est jamais joué d'avance. C'est CSC qui a un DH, qui a fait, qui vient de monter. Et qui a battu la Gauloise 3-1 après avoir mené 3-0. Donc ça va être encore un très très gros morceau. Mais bon, notre objectif c'est de se qualifier. On mettra tout en œuvre pour mettre nos chances de notre côté. Vous regardez TélécSM. Le ballon rond est au centre de TélécSM.